Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur. Dans l'épisode précédent, ouais, c'était pas dégueulasse. C'était, on va dire, comme je l'ai appelé l'épisode, on était un petit peu dans le dur. On avait quand même gagné contre Arsenal, perdu contre Liverpool et fait 1 contre Swansea. Au final, pour un promu, c'est pas des résultats dégueulasses. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas appelé en sélection. J'ai envie d'être appelé en sélection, moi, d'aider cette équipe d'Inde, même si c'est des matchs amicaux, mais d'aider cette équipe d'Inde à faire des bons petits trucs. Du coup, il y aura une autre période internationale dans cette vidéo, et j'espère fortement qu'on va être appelé. C'est quand même bizarre, parce que je pense que clairement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est de loin le meilleur joueur indien du jeu avec nos 78 de général. Et je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas appelés. Enfin bref, pour l'instant, nous, on va se concentrer, essayer de faire des belles performances pour impressionner le coach, que ce soit le coach d'Aston Villa ou le coach de l'Inde. Et ça commence par ce match contre Barnsley on va jouer comme ça, c'est parfait. En coupe, donc on va essayer de gagner tout simplement et planter un maximum de buts. Allez, on va essayer un petit peu de provoquer là. Allez, la vitesse peut faire la différence. On va tenter de se remettre sur le pied gauche. Allez, on joue derrière avec Jedina qui tente la frappe. Dommage, enfin! Enfin une occasion un peu dangereuse, un peu où on provoque. Je pense que je vais tenter un peu plus ça dans ce match parce que je vois que c'est bien fermé. On va un peu plus tenter de provoquer, de passer grâce à la vitesse. Ouais, ça allonge devant les Taylor, il faudrait la prendre, il ne la prend pas, attention! Oh, et voilà, on va prendre un but, oh là 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 là, c'est une catastrophe là! C'est une catastrophe, même s'ils ont beaucoup de réussite sur leur but, c'est quand même une catastrophe. Là, on fait n'importe quoi, on joue très très mal. Là déjà, Taylor, il s'impose pas, là, ça passe entre les deux, après le gardien, il fait ce qu'il peut et ça revient sur eux. Du coup, bah, on est mené là, contre Barnsley, là, c'est un peu choquant, il va falloir vraiment se réveiller parce que... Parce que là, on fait un match vraiment mauvais. Rafinha qui perd le ballon, mais j'y vais pour la récupérer. On va frapper. Oh, elle passe à un millimètre. Ah, on avait l'égalisation, mais elle passe à un petit millimètre. Quel dommage. Mi-temps, les mecs. Pour l'instant, on est mené 1-0 par cette petite équipe de Barnsley. Mais on joue très mal. Franchement, ça joue très très mal. On a eu que très peu d'occasions. Ouais, c'est difficile. Clairement, c'est difficile. Il va vraiment falloir se réveiller en deuxième période parce que là, mes coéquipiers sont mauvais. Moi, je suis pas terrible non plus. C'est un peu compliqué tout ça. Allez, hop, on la donne à Davis. Ah, j'avais bien joué le coup encore une fois, mais là, ça veut pas rentrer. Hein. Ça veut pas rentrer. Ouais, j'étais un peu concentré là et hop, je la décale au bon moment. En plus, c'est bien. Là, la frappe aux premières intentions, mais un peu trop dévissé. Du coup, ça passe à côté. On n'arrive pas à marquer ce but. Allez Davis, bien joué, allez Davis, c'est pas possible. C'est pas possible, il a pas de finition ce joueur. Du coup, bah ouais, encore une occasion pour nous et toujours pas ce but. C'est le gardien qui va la sortir. Allez, donne-la-moi avant de la perdre. Voilà, hop, Oriane, bien joué ça avec Davis. Davis qui va pousser Rafinha. Rafinha, le petit centre vers Davis, le poteau. Et je tire à côté. C'est pas possible. Les mecs, je crois qu'on n'a pas le droit de marquer dans ce match. Je crois qu'on n'a vraiment pas le droit de marquer dans ce match parce que là, on commence à avoir des occasions intéressantes, mais on manque cruellement de réussite. Terminé, on va perdre. Ils peuvent être heureux les supporters de Barnsley parce qu'ils sortent une première ligue et là, on peut baisser la tête parce qu'on a fait un match horrible, vraiment horrible. Même si en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, on a manqué de réussite parce qu'on a tapé les poteaux et tout. Mais dans l'ensemble, on doit gagner ce match, tout simplement. On doit remporter ce match largement et on a fait de la merde. On a fait tout simplement de la merde. On perd 1-0. J'espère vraiment que mes coéquipiers vont mieux jouer les prochains matchs parce que sinon, ça va vite envie de me donner... ça va vite me donner envie de partir, tout simplement. Parce que là, franchement, c'était très compliqué. Vraiment très compliqué de jouer bien avec des coéquipiers aussi mauvais. Du coup, on va avancer jusqu'au match face à West Brom. Et là, il va falloir se réveiller, surtout que c'est en championnat. Donc là, là, on donne tout. Là, on met une meilleure équipe aussi parce qu'ils avaient fait un peu tourner. Là, on met une meilleure équipe et là, on donne tout. Voilà, on a Hogan avec nous devant. Ce sera un peu mieux que Davis, Geza, Laurier, Jedina, Rafinha, Ismaili, Chester, Terry, Delette et Golini. Allez, on y va et on joue mieux. On joue au football et on va planter des buts et on va gagner. Avec Jedinak, Hogan, hop, on la remet à Hogan, c'est pas mal, allez!
Oh mais c'est pas possible, ils veulent pas marquer. Déjà dans le match d'avant, j'arrivais à faire quelques bonnes passes et ça veut pas finir. Ça manque cruellement de finition là. Bon, après t'es peut-être pas gaucher, mais quand même faut planter parce que si on a de nouveau plein de cases et qu'on plante pas, on sait comment ça va finir. Ouais, Hogan, encore. Vas-y bro, je suis devant toi, voilà. Je feinte. Ouais, c'est pas mal. Oh là là, le carton rouge là, l'arbitre, je suis désolé. Bien sûr, voilà, le rouge est sorti pour McCauley, ça va nous faciliter la suite de ce match. Mais là, voilà quoi, forcément qu'il y a un carton rouge, je partais tout seul au but, il me fait un tacle de porc là, alors que là, je pouvais affronter le gardien et potentiellement marquer. Du coup, ça nous donne un coup franc, je doute sur nos capacités à le mettre. On va voir. Ouh, ça a été contré, ce serait un corner. Et sur le côté, là, tu l'as vu, donne-lui, allez, là, faut jouer plus vite, là, tu me la donnes en première intention, voilà, c'est passé. On va crocheter, et voilà. Allez. Là, ça fait plaisir, 1-0, on ouvre le score. C'est plus facile maintenant qu'ils sont à 10. Mais j'ai eu peur quand même, hein. J'ai eu peur quand j'ai vu qu'on avait un petit peu de mal, là, après, ouais, ça fait quoi, ça fait 10-15 minutes qu'on est en supériorité numérique et je voyais qu'on avait du mal, ça m'a fait un petit peu peur et là voilà, facilité, petit crochet pour éliminer, derrière l'enroulé pied gauche bien évidemment, parfait en pleine lucarne à bout portant, donc voilà on va marquer notre combien, 4e, 5e but en première ligue et là peut-être qu'enfin ça va nous soulager et qu'on va aller gagner ce match tout simplement. Bien joué ça. Ouais, j'ai pris le ballon. Ouais, j'ai pris le ballon et là j'y vais. Là j'y vais. Non, allez, on va la donner à Rafinha. Qui peut nous la redonner d'ailleurs. On la remet à Rafinha. Rafinha qui sent deuxième poteau. Allez, Ghezal. Hogan, oui, 2-0. Yes, bien joué, Hogan qui a bien suivi, qui arrive à mettre sa tête. Et voilà, deux buts coup sur coup pour tout de suite faire le break et ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Parce que c'est clair qu'après le match contre Barnsley, on pouvait avoir des doutes en ce qui concerne notre niveau de jeu. Et là voilà, on confirme. Bon après c'est clair qu'il y a quand même un fait de jeu qui nous aide, le carton rouge, mais voilà, au moins on montre qu'on arrive quand même à bien utiliser ce fait de jeu. On mène 2-0, maintenant faut se faire plaisir, hein. Si on peut en planter 5, on va en planter 5 les mecs. Allez, bien joué ça, ouais c'est pas mal. Allez Rafinha, le centre fort, c'est beau ça. Voilà, le doublé pour Hogan, 3-0 juste avant la mi-temps. C'est ça qu'on veut voir, allez ça c'est un super centre. Pourquoi tu me fais pas descendre comme ça, moi? Parce que là, le centre, vraiment, il est puissant, il est parfait, comme il faut. Et le petit Hogan qui marque son 3e but, il me semble. Ouais, c'est ça, 3e but en première ligue pour lui, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, tout ça. Mi-temps, les mecs, donc on mène 3-0. Ah, ils peuvent se ruer, les supporters de West Brom, mais bon, ils ont pris un carton rouge, ça leur complique les choses. Mais là, voilà, un match enfin qui va tourner en notre avantage assez facilement. Et ça fait plaisir, maintenant, deuxième période... L'objectif c'est de planter des buts encore. Moi j'ai soif de buts, j'ai envie de planter un maximum de buts pour attirer les grands clubs. Donc let's go, on y va. Boum. On a quand même essayé le pied droit. C'était compliqué, on débloque quelques exploits, mais ça c'est bien. La petite 4e étoile de geste technique, c'est pas mal ça. Ouais, le pied droit il va vraiment falloir l'améliorer. Hein, parce que franchement, il est vraiment pas terrible. Fin du match, victoire 3-0, franchement. En vue de la deuxième période, je suis même déçu. Je suis grave déçu. Deuxième période, on a strictement rien fait. Et ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve. J'aurais bien voulu qu'on plante encore 2-3 buts. On n'a même pas pu parce que mes coéquipiers ont décidé de ne plus jouer tout simplement. Ils avaient plus envie de jouer. 3-0 pour eux, ça leur suffisait. Du coup, bon, on fait un bon match. On fait un bon match. On termine avec une note de 9-2. Mais je suis déçu quand même. Là, je voulais marquer plus de buts, moi. Moi, j'ai soif de buts et ça m'énerve qu'on ait arrêté de jouer en deuxième période. Du coup... On va partir pour un troisième match et là je crois qu'on va jouer Manchester City. Donc là ça va être tout autre chose si on a le niveau de jeu qu'on a eu là sur les deux matchs. Je peux vous dire qu'on va se faire défoncer pour rester poli. Parce que là franchement c'est chaud. Enfin on est appelé en sélection. Enfin le coach il s'est dit putain en fait on a un putain de joueur. Ah bah quand même. C'est pas trop tôt. Bah du coup on fera un petit match de sélection après ce match contre Manchester City. Comme ça on retrouvera un petit peu la sélection indienne. Ça va être chaud. Mais au moins si on est nul on sait pourquoi. Pas comme avec Aston Villa qui... je sais pas, contre Barnsley on a vraiment été horrible. Donc là c'est parti pour affronter Manchester City. Bon on y va avec quand même un peu d'ambition. Pourquoi pas, on a réussi à battre Arsenal. Donc bon après City c'est au-dessus mais... Mais voilà quoi, on va tenter quelques trucs, mais bon, après, on sait très bien qu'il y a de grandes chances qu'on parte avec une défaite. On va finir pour Jedinak.
Ça, c'est pas mal. Logan, tu peux me la donner. Oh, il y a un truc à faire. Allez, le pied droit. Oui, ça rentre. Oui. Oh, c'est bien construit, ça, et le pied droit. Oh, le pied droit tout claqué qui va nous faire marquer quand même. 1-0 à la 21e minute de jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. On arrive à passer là, hop, et la petite frappe à rater qui fait le taf. 1-0, 6e but en première ligue pour nous. Et ça, c'est bien de marquer contre les gros clubs. Ok, c'est pas mal ça. On la remet à Jedinak. Bien joué, Hogan. S'il peut me la donner, parfait. Ah, oh, il est dedans. Le doublé contre Manchester City. Quel but. Ah là, franchement, en frappant les mecs, j'allais me dire que j'ai fait le mauvais choix. Mais là, on a l'autre joueur qui nous lâche une frappe venue d'ailleurs pour planter le 2-0 contre Manchester City. Et quelle frappe. Oh, quelle frappe, elle est belle celle-là. Je pensais vraiment pas qu'elle allait rentrer. Et voilà, là, ça joue bien. Pourquoi on joue bien que contre les grosses équipes? Ça, c'est ma question. Généralement, contre les grosses équipes, ça se passe plutôt bien. On fait des matchs corrects, même si on gagne pas tout le temps. Bon, là, on a beaucoup de chance. On tire entre les jambes de Mangala. En plus, la frappe, elle est parfaite sous la barre. Ça fait 2-0, doublé. Et du coup, je crois que c'est le 7e but en première ligue. Et ça, c'est bien, ça. On commence à planter pas mal de buts. Bon, mi-temps, les mecs, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. On a été très mauvais dans les deux précédents matchs, malgré la victoire 3-0 contre West Brom. Et là, on joue trop bien. On joue bien. Ça m'a fait des super passes. Je plante un doublé. On gagne 2-0 à la mi-temps. C'est n'importe quoi. Mais on va prendre, on va voir maintenant comment ça va se passer cette deuxième période. Faut pas croire que le match est gagné parce qu'il reste encore beaucoup de temps et on affronte quand même Manchester City. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas c'est bien parti. Je vais me la donner, hop, on l'écarte directement à Kouriane qui peut la donner à Hogan. Non, c'était mal donné. Oh, ça par contre c'est une grosse erreur. Oh là 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 là, on a failli profiter d'une énorme erreur de relance là côté mancunien. Je me suis un peu précipité, j'aurais peut-être pu faire mieux. Ouais, il joue très mal City, faut en profiter. Allez, on y va, on accélère, il nous laisse de l'espace. Hop, oh, pénalty. Mais oui, pénalty, on provoque le pénalty là. J'ai tenté un petit geste technique, j'ai bien fait, c'est Coquet qui vient nous faire une grosse obstruction. Et on a l'occasion de mêler 3-0 les gars. Normalement c'est moi qui tire les pénaux. Ça fait des changements de chaque côté là, ça fait rentrer Verratti bien et Agüero. Oh là là, faudrait le mettre là pour le 3-0 et le triplé contre Manchester City, ce serait pas mal. Allez, pourquoi pas. Oui, ça rentre. Je l'ai très mal tiré, mais ça rentre. 3-0, triplé contre Manchester City, mesdames et messieurs. 8e but, il me semble, en première ligue. Et là, ça fait plaisir. Là, ça fait très très plaisir. Match abouti, si on joue tout le temps comme ça, on est capable de faire des trucs merveilleux avec Aston Villa. Mais malheureusement, là, c'est... Cette saison, c'est que contre les gros, j'ai l'impression, contre les moyennes et petites équipes, on n'est pas aussi bon et c'est bien dommage. Voilà, on la remet à Lansbury, qui nous la remet, hop, pour Rafinha, qui nous la remet de nouveau. Le petit crochet, c'est passé. Ah, la vieille frappe pied droit, arrêtée par Bravo. Mais c'était encore très bien joué. Et malheureusement, ça passe pas le quadruplé. Fin du match les gars, victoire 3-0, on peut prendre le ballon du match car on met le triplé et faudra que mon équipe m'explique. Faudra vraiment que mon équipe m'explique parce que je comprends plus rien, on a été dégueulasse. Bon, on enchaîne deux victoires 3-0 mais on a été dégueulasse contre Barnsley complètement. Contre West Brom, c'est le carton rouge clairement qui nous fait gagner parce que vu le niveau de jeu c'était pas terrible. Et là on fait un match absolument incroyable, que ce soit personnellement ou collectivement. Mes coéquipiers ont été trop forts défensivement, offensivement. C'était parfait, on met un petit triplé. Et cette année, on est plus dans le rôle de buteur que dans le rôle de passeur. L'année dernière, on a fait beaucoup de passes décisives. Là, on en fait beaucoup moins. Mais on plante beaucoup plus. Le triplé contre City, ça fait plaisir. Et c'est parfait. C'est parfait, tout simplement. On se met très très bien. On remonte 5e au classement. Et du coup, on a 8 matchs joués, 8 buts pour une passe D. Ouais, c'est vrai qu'une seule passe D, mais ça, c'est pas grave. Hogan qui est blessé, bah ça j'étais pas au courant, ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Donc regardons vite fait au classement, voilà, on est premier buteur pour l'instant avec 8 buts, et Antonio qui plante pas mal aussi avec 6 buts. On a après Coquet et Ponens avec 4 buts, et les gros sont pas là, hein. Hazard n'en a que 3 buts pour l'instant. Je pense à Lukaku, je sais même pas si Lukaku il est là avec seulement 2 buts. Je sais pas moi, les Morata et tout ça, ils sont pas présents pour l'instant, donc tant mieux pour nous. On va faire les entraînements et faire un petit dernier match
un petit dernier match contre les États-Unis, avec l'Inde quand même, se finir avec un petit match de sélection. Pas mal, là, on est passé à 85 d'endurance, on approche des 79 de gêne, c'est parfait. Hop, on va avancer tranquillement. Donc voilà, on a le petit match contre les États-Unis. Enfin, on est appelé avec l'Inde, on va jouer directement. Ça va être compliqué de faire des bons matchs avec cette équipe de l'Inde, mais bon. On va quand même essayer de faire tout ce qu'on peut contre les États-Unis, ça va être très compliqué. Ouais, franchement, ouais, quand tu vois les mecs, ils ont 59, 56 de gêne, ça fait peur. Mais on va tout tenter, let's go pour ce match avec l'Inde. Il m'a boycotté. Ouais, ça c'est pas mal. En une touche de balle, tu me la remets. Ouais, c'est beau ça. Petite feinte, je lui remets. Et 1-0 les gars! Oh, ça joue bien en équipe de l'Inde. Passe décisive pour... je ne sais qui, mais... Passe décisive. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour... comment tu t'appelles toi? Chetri? Bah voilà, passe décisive pour Chetri. Parfait! Parfait, ça commence de la meilleure des manières. 5 minutes de jeu, ça joue très très bien. On fait la petite passe D. Ouais, ça compte dans les stats aussi, ça les petites passes décisives là, on retrouve notre rôle de passeur, petite feinte, on voit que le poteau il est bien placé et hop, il fait la belle frappe comme il faut. À 1-0, ça commence bien, ça fait plaisir, ça montre qu'on est capable de faire des choses. Bon après le match n'est pas terminé, ça se trouve on va perdre 6-1, mais au moins voilà, ça montre qu'on est capable de construire du jeu quand même avec cette équipe de l'Inde. Et voilà, on récupère le bon ballon. Allez frérot, tu peux me la remettre là. Ouais, la passe est bonne. Et ça va faire goal à fond. 2-0 en 8 minutes. Une passe D et un but. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Eh, ça va mieux quand on joue avec l'Inde, non? Ah, le coach, là, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah parfait. Parfait, parfait, le petit but qu'il fallait mettre. On l'a déjà mis parce qu'il faut impressionner le coach. Je pense qu'on commence bien pour impressionner le coach avec un but, une passe D en même pas 10 minutes. Donc pas mal, pas mal. Pour l'instant, 2-0, c'est pas mal du tout. Tout de suite, dans le trou. Ouais, ça passe encore. Ah, penalty! Oh là là là. Et lui, il me fait des passes. Par contre, la défense des States, c'est les portes ouvertes. Hein. Moi, je pars. Je pars en profondeur et il me revoit plus. Hein. Il me revoit plus. Du coup, on a un penalty. J'espère que c'est moi qui vais le tirer quand même. Ouais, c'est moi qui vais le tirer. Allez, on peut déjà mener 3-0 dans ce match si on plante le penalty. Ouais, oui, il reste au milieu le gardien. En plus, on débloque un petit effet plus 1 et on a les passes brossées. Parfait. Bah, parfait, les mecs. Parfait. 3-0 doublé déjà. 13 minutes de jeu en plus seulement. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe. Ça y est. Les Indiens se révoltent, les mecs. Les Indiens se révoltent. 3-0, on met un petit doublé. Nickel. Bon les mecs, malheureusement, on va jouer que même pas une demi-heure. Mais on aura fait quand même des trucs exceptionnels. Deux buts, une passe D. J'espère qu'ils vont tenir le score. Parce qu'on est blessé tout simplement. On est blessé, j'ai pas envie d'aggraver la blessure. Donc du coup, on va simuler la fin de match. Et on espère. Match terminé 40. Parfait. Un détente plus 1. Un penalty plus 1. Bah, c'est bien, on aura gagné 2 points penalty dans ce match. Du coup, oui, repos forcé, hop, ok, et du coup, 3 semaines quand même, ah, c'est embêtant, c'est quand même embêtant, je veux juste vérifier, vous avez gagné les mecs, hein, pas de dinguerie, vous avez gagné contre les States, victoire 3-0, voilà, ça fait plaisir quand même avec cette équipe d'Inde d'avoir fait un très 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 bon match, et on aurait pu faire beaucoup mieux, hein, parce que il restait du temps, du coup, on va simuler ce match-là, que va faire nos amis indiens contre la Bolivie. Une petite victoire, on perd 2-1, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a montré, bah voilà, c'est bien. En fait, c'est bien qu'ils aient perdu, parce qu'ils ont, voilà, on a montré qu'avec nous, ça fait mal. Ça fait très très mal. Du coup, on va rater quelques matchs. Ça, c'est un peu relou. J'espère que l'équipe va bien s'en sortir sans nous aussi. Ils sont sur 2 défaites de suite, stock. On fait un partout, Delette qui se blesse, Terry qui prend un rouge. C'est pas terrible tout ça, les mecs. On a quoi comme message? Ok, d'accord. Bon, c'est des joueurs qui sont blessés tout simplement ou des suspensions. On avance, objectif fixé. Ben, il n'y en a aucun vu qu'on est blessé. On va rater ce match-là aussi contre Crystal Palace. Ce serait bien de ne pas perdre. Ils sont sur 3 matchs nuls. Eh ben, on gagne. Parfait, Rafinha. Par contre, quand je suis pas là, ça prend des rouges. Hein. Ils sont vénères. C'est Jedinak cette fois-ci qui prend un rouge. On va avancer encore, de toute façon ce sera la fin de la vidéo après. Ah, on peut s'entraîner, on peut s'entraîner de nouveau. Ce sera la fin de la vidéo de toute façon avant le prochain match. Et voilà, 2 bonnes notes et ça nous fait passer tout simplement
à 79 de général, c'est parfait. Parfait, parfait, on approche des 80, plus qu'un petit point. Et on sera aux 80. Ben direct, on a d'autres entraînements derrière, c'est parfait. On est revenu juste pile où il fallait pour pouvoir s'entraîner deux fois. Allez, dis-moi qu'on a des bonnes notes. Voilà, deux à nouveau, ça c'est ce qu'on veut voir. En dribble, on commence tranquillement à s'améliorer, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup, prochain match, ce sera contre Southampton. Est-ce qu'on va pouvoir le jouer? Parce que là, on est encore en blessure. Donc on va voir. Hein. Maintenant que tu peux jouer des matchs, apparemment, ouais, si on va pouvoir. Bientôt prêt à jouer. Gignac suspendu, John Terry de retour. Et normalement, voilà, on peut jouer. Donc on reviendra contre Southampton. Pour l'instant, on est 6ème de première ligue. Donc c'est très très bien. Avec 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Donc c'est plutôt pas mal. Et on devrait. Ah, on est peut-être plus meilleur buteur. Parce qu'on a raté quand même un ou deux matchs. Deux matchs, quoi. Ouais, on a raté deux matchs. Donc on est peut-être plus le meilleur buteur. Ça revient derrière avec Antonio et Lanzini qui sont pas loin. Donc il va falloir continuer à planter beaucoup de buts si on veut espérer finir meilleur buteur. Du coup, on va s'arrêter ici. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Et quand même, on a été bon. On a été bon dans cette vidéo, le triplé contre City, le match fou où en un quart d'heure on met deux buts, une passe D avec l'Inde. Le retour en sélection qui fait plaisir. J'espère qu'on sera appelé pour les prochains matchs qui sont quand d'ailleurs? Qui seront déjà dans le prochain épisode. Mais par contre, ça va être du lourd. Hein. Ça va être du Afrique du Sud, ça passe. Mais Brésil, là, si on arrive à gagner contre le Brésil, ce serait incroyable. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.